Allez, viens, on va aller voir. Il doit travailler à la SNCF, je pense. Est-ce qu'il est en avance, tu vois? Ah! Alors, on va aller voir comment ça se passe. Comment ça se passe ici? C'est top. Y a un petit décalage horaire ou tu prends le deuxième bus? Moi, je me... Voilà. Prends mon temps, un petit déjeuner tranquille, et puis du bordel dans la cave. En vrai, il était en train de lire la notice, tu vois, qu'elle a... Là, ça fait une demi-heure qu'il lit la notice, parce qu'il a la pression, tout le monde le regarde pour savoir comment il va faire pour plier cette tente. Là, il faut appeler Mich-Mich. Ah, il est là, Mich-Mich. Mich-Mich! Voilà, on vient nous dire que c'est toi l'expert, Mich-Mich. Bon, Mich-Mich, alors... Oh putain, il y avait une poule à la canard. C'est pas possible, ça. Voilà, Mich-Mich, montre-nous. Ok. Hop. C'est assez violent avec Mich-Mich. Bah non, bah c'est normal. Ouais, non, mais ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, tu prends les 4 bouts du dessus. 4 bouts du dessus. Et là, on fait un guide. Regarde. Comment tu fais? Moi, j'ai su que j'y arrivais. Hein? C'est de ta faute, ça. Moi, on m'a dit que c'était l'expert. Pour le moment, elle est pas pliée, cette tente. Hein. Non, si je le fais une main, tu me payes une bière, ok? Ouais. Regarde. Tu fais comme ça, et comme ça. Allez, j'y vais. Ciao, je laisse Mich-Mich faire. Film. Pris en flag. Moi, j'ai l'option gold, moi. T'as pris l'option premium, rangement tente plus. Voilà, tout. Et dépose en hélicoptère entre les spéciales. Ah, ok, donc voilà. La liaison, t'as... La liaison, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, on a de la chance, la première liaison, on l'a fait en bus. Ça va vraiment mieux qu'en vélo. Quatrième jour sur ce grand rallye. Donc on a déménagé, comme vous avez vu ce matin, tout le campement. Et là, on est encore face à un paysage magnifique. C'est juste incroyable. On est tout le temps en face de quelque chose qui est beau. La petite chose, c'est qu'il a plu assez fort cette nuit. Donc ça va être assez glissant. J'ai hâte de voir dans les spéciales comment ça va être. On est en bas de la SP1, SP number 1, ça glisse à fond. Les freinages, il fallait les faire. Moi, j'avais mis les pneus secs en plus. C'était drift. Holiday on ice. Viens, on va aller voir un peu ce que ça dit là-bas. T'es même pas essoufflé en fait quand t'arrives, toi. Ah non, là, je viens juste de m'échauffer. C'est bon. Oh putain, je suis mort! Réaction à chaud, c'était bien? C'était top. Ouais. Au début, ça manquait un petit peu de grip, ça glissait un peu. Après, dès qu'on est au soleil, ça adhérait bien, c'était top. Il y avait de la vitesse, c'était génial. Bon, c'est bon pour le classement général, ça? Non. Réaction à chaud, comment ça s'est passé? Impeccable, trop beau. Même pas glissant, pas glissé une seule fois. Glisse dans la partie finale, dans les cailloux, attention. Il faut ralentir un peu. Nickel, trop beau. Bon, top alors. On m'a dit que t'étais la légende d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que t'avais un vélo électrique, mais que le moteur était HS. Oui. Puis j'ai un proto Tijosel aussi. On vous l'a pas dit, ça? Non, on va dire. Ah, viens voir. Ça veut dire que ça reste un peu secret. Voilà. Hop. Ça monte tout seul. Personne n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Et là, tu vas faire comment dans la liaison, là? J'ai des bons amis, normalement. Ah. Normalement. C'est là que je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont fixé le prix en bière ou comment ça se passe? Non, on est vraiment des bons amis. Il veut pas qu'on aille voir. C'est lui qui m'a sauvé mon vélo hier, sinon je le roulerais pas aujourd'hui. On peut le remercier, enfin, je le remercie, parce que sinon, déjà, de une, je ne roulerais pas, et de deux, vous auriez pas de vidéo. Voilà, donc, exactement. Si vous le... J'attends toujours sa bière, parce que c'est un prometteur de beau jour, lui. Hein. Lui, c'est un dormeur de couche-tôt. Vieux, c'est comme ça. Nous, hein. On finit la vidéo à 21h. On lit comme les poules. Non, mais non, ça va être dur parce qu'il va falloir gérer le copain à tirer là. Ça va être plus difficile. Ah, il va falloir tirer. Et surtout, surtout qu'il n'est pas mince. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, on vous suit. Là, ils sont où exactement, les potes? Ils sont devant. Ça me fracasse un peu, ils sont devant, mes potes. C'est pas la bonne place. Hein. Avec Yves.
qui est à la recherche de ses amis. Ah non, ils sont là. Ils sont là. Pour le moment, ils disent ça va, tu vois. Ouais, il va gérer la cagnotte. C'est moi qui ai la cagnotte et la clé du fourgon pour rentrer en Belgique. Moi, je dis qu'il y en a qui ont de la chance parce qu'en fait, en vrai, il fait beaucoup moins d'efforts qu'avec un vélo électrique. Pas sûr. Il tente une échappée. Il s'échappe. Il s'échappe. Changement tactique, apparemment. Cette sangle, elle est quand même bizarre. Elle sert vraiment qu'à tirer des vélos. Quentin, il fait avec. Il fait autre chose avec sa femme. Je sais pas. J'avais coupé avant qu'il dise n'importe quoi. Putain, ça, ça va exploser à tout moment. Mais non. Ouais, le petit des wheeling là-bas devant. Bon, c'est ça aussi l'entraide du grand rallye, c'est que c'est une course solo, mais il y a quand même les potes qui sont toujours là. Quoi. Exact. On est avec Greg Minard. Syndicate à peu près. De Saint-André. Ça va Max? Ça va hein. On roule chez toi alors. Et c'est toi qui t'es démené à faire le trail qu'on va rouler là, c'est ça? Ouais c'est ça. Je l'ai nettoyé et voilà. Tu nous souhaites pas bonne chance, il est bien ou comment tu... Ça va, au début faut pas trop s'exciter. Parce qu'il y a moyen de finir en bas là. Et après c'est épingle et c'est full gaz. Moi les trucs des locaux comme ça, ça me fait toujours peur tu vois. On va aller voir ça Max. On est au départ de l'aspect 2, on est juste devant le lac de Castillon. Parce qu'il y a un petit peu des concurrents qui savent où on va, nous on est un petit peu perdus. Et c'est vraiment magnifique, les décors ça devient une aventure, c'est vraiment dans le côté un peu aventure. C'est trop beau. Et on va aller voir un petit peu un autre podium qu'on n'a pas trop vu encore, c'est le podium inversé. Donc entre les casses mécaniques, les crevaisons, tous les trucs qui peuvent casser, c'est assez serré, on a regardé un peu le classement, ça se tient sur 3 heures de spécial à 1 minute près. On va aller les interviewer pour voir ce qu'ils pensent. Allez. On est avec donc Laurent, on cherchait Laurent. Laurent, plaque 58, ça va Laurent? Ça va bien. Bon, Laurent, on a acheté un coup d'œil parce qu'on arrive déjà, on a dépassé la moitié, on a acheté un coup d'œil au classement. Ouais. Et donc, chaque année, il y a le podium inversé entre ceux qui ont les casses mécaniques, ceux qui n'ont pas pu finir, etc., etc. Et au final, le podium se dispute à une minute près sur 3-4 places. Comment tu vois la chose? Bah, écoute, dans les 3-4 aussi. Je vais rester dans mon classement, quoi. Allez, je vais dire 2. Est-ce que tu vas tout donner pour sortir de ce podium ou est-ce que bon, bah voilà, tu vas all-in et on verra ce qui se passe? Ouais, je vais y aller tranquille et puis on verra ce qui se passe. On est avec John, on va partir avec John, j'annonce. Ah, donc là, la queue, elle est là-bas, il y a encore une trentaine de riders. Et je lui annonce officiellement que je pars avec lui. Sur le balcon, l'endroit qu'il adore, tu vois. Et là, autant vous dire qu'il doit être pas bien, parce qu'on part dans 5 minutes, il a 5 minutes, la pression va monter, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Je suis héliporté pour la descente. Tu te sors pas par contre, John, hein, tu restes dans le chemin quand même. John, il est bien, il avait la pression, mais il est vachement bien. Oh. On sent que John, il aime pas ça. Mais pour le moment, il fait bien le boulot. C'est magnifique. Et John qui survit au balcon pour le moment. Yes, ça roule bien là, oui. Voilà l'ouverture. Wow. Oh. Yes. Bien. Avec qui? Ah si, la deuxième féminine, elle est là. Alors on voit la sauce en plus, c'est bon ça. Wow. Patrick, Mike Patrick. Oh Patrick, il est chaud, il est chaud. Wow, à terre de Patrick! Allez Patrick, on y va! Allez vas-y Patrick, go! Oh mollo! Wow. Expert sur Patrick! À terre sur Patrick, on est deux! Wow. On est avec Boris! Oh Boris, qu'est-ce que tu fais? Oh Boris! Oh Boris, il a déjà failli partir à l'avant! Bah, il met des relances et tout Boris! Dire que lui il traîne pas Boris. Waouh, excuse-moi. Oh la question. Il est encore vachement le jus. Oh Boris, la terre là.
En plus, tu fais le spectacle, c'est trop bon. Allez, Bobo. Allez, tiens, besoin de tout. Oh là là. Oh, j'ai cru que t'allais tomber. Viens rattraper. Oh, allez, là, c'est la nouvelle partie tracée par Maxime. Ça a l'air incroyable. Oh, faut pas chauffer. Oh, on est tous les deux. Trop bon. P3, t'es prêt? Allez, on est parti. Allez, bingue là. Bon, Ouais, je suis un peu là, c'est pas mal, pied sorti, c'est trop beau. Wouah ! Clément, notre breton préféré, il est là. Il est là. Oh, bah non. On a vu la terre. Oh oui, joli. Ouais, c'est beau ça. Oh, c'est trop beau. Wow. C'est beau. Oh oui, joli. Non, non. Ah, tout pour le spectacle, j'adore. Deuxième relance. Allez les gars, je suis là psychologiquement. Allez, il va y avoir une attaque sur Clément. Ça va être chaud. Clément qui s'écroule. Clément qui s'écroule. On est actuellement en pleine spéciale. Greg, celle-là, elle fait trop mal. Alors que Clément attaque. Clément attaque sur Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, allez, 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 on le rattrape. On est en bas de la SP3 qui était aussi incroyable que les autres. Tout le monde vraiment se régale, tout le monde arrive avec le sourire en bas. C'est vraiment une aventure de dingue pour tout le monde, aussi bien même pour nous, on se régale à le faire. On va donc maintenant aller manger parce que les organismes ont été un peu éprouvés avec les deux grosses liaisons qui étaient vraiment costauds. On va aller voir Mich Mich. Je suis sûr qu'il est en train de bouffer. Ah, Mich Mich! Non, non, mais c'est pas que ça, Pierre. Moi, je travaille, moi. Moi, je travaille. Tiens, Mich Mich, on voulait te donner ça parce que comme t'es tout le temps en train de bouffer. Non, bah, oh, c'est fou de ma gueule. Il l'a pris, il y a quand même, tu sais. Bon, Mich Mich, on te réinterview parce que c'était à la demande générale. De quoi? Bah, la demande générale de tous les concurrents. Oh, bah, il raconte que des conneries. Allez, tous les concurrents m'ont demandé. Non, arrête, la cuillère. Hein? Il y a un sac, là. Bah, la question, c'est quand est-ce que tu viens faire du vélo avec nous? Bah, l'année prochaine. Hein, sérieux, hein. Bah, je vais m'entraîner à bloc. Quoi. Bah, hier soir, j'ai monté deux vélos là-haut. Oui, il m'a vu, lui. Hein, tu m'as vu, toi, Gilbert? Si, il m'a vu monter en vélo. Je m'assois avec toute la famille, là. Vas-y. Bon, comment ça se passe, là? Du coup, t'es venu faire le grand rallye, et puis t'as la famille qui est à côté, qui profite là, autour. J'ai mon fan club aujourd'hui, là, c'est super. Ils étaient à l'arrivée de la spéciale, là, donc impeccable. Trop cool. Et vous faites quoi pendant ce temps-là? Vous allez à la piscine, vous faites les activités dans le coin? Ouais, on en profite, on fait des petites randonnées, piscine, le lac de Castillon. Je pense qu'on en a bien profité. On l'a vu, le lac de Castillon, on l'a vu de loin, mais on l'a vu. Ouais, on a pris des photos de là-haut, ouais. C'était beau, hein? Ouais. T'es allé te baigner où exactement? Dans le lac de Castillon. Et il était comment l'eau? Parce qu'en haut, elle était froide. Un peu, oui, ça va. Mais l'eau du Verdon n'est pas chaude, hein, je confirme avec la rivière, l'eau n'est pas chaude. Pareil, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Mais ça bon. Fait du bien pour les jambes. On va y aller parce que l'eau commence à tomber sur nous maintenant. Non, c'est bon, c'est parti. Ah d'accord. On est en Bretagne, d'habitude, c'est pas ça qui mouille. Les Bretons, on en a croisé 2-3 là-bas tout à l'heure aussi. On est devant la tente de Laurent, qui est potentiellement... qui potentiellement va casser le scratch du podium inversé. Il a eu des soucis, il s'est sorti l'épaule le premier jour. Après, il a eu des problèmes, il a cassé la chaîne le deuxième jour. En attendant, on vient de finir ce jour, cette journée. On vient d'arriver en fait à Saint-André-les-Alpes,
avec le soleil. Tout à l'heure, on a un petit peu peur avec la pluie. Et là, notre nouveau campement qui est derrière nous. Donc, on va nettoyer un peu les vélos, prendre la douche chaude. Et ensuite, on ira manger avec la tour ambulante. Allez, à demain pour le last day.